OK. OK. Cette semaine, on fait le deuxième cue. This week, we do the second cue. We do a little warm-up, but not a long one, parce qu'il n'y a pas grand monde avec Biggie. Not so many people doing it, so I don't want to do it by myself. De toute façon, le but, c'est pas tellement de faire pratiquer les gens, mais c'est plus de donner de l'information. So, I want more to give information than have you to practice too much. But... Et là, cette semaine, si je frappe Enrique, je vais essayer de ne pas le frapper trop fort parce que Jean-René m'a dit que ça se résonnait dans les oreilles du monde. I hit him this week, Enrique. I won't do too hard, so it won't bounce in your head. That's what they say. Allez, on va faire un exercice. Funakobi Undo, cet exercice-là comme ça. Je, avant. Quand on fait cet exercice-là, l'idée, c'est d'envoyer le corps vers l'avant, mais sans dépasser le genou. So, you try not to bring your shoulder further than your knee. Si vous allez comme ça, mon pied arrière devient léger. My back foot is too light and I'm losing balance forward. C'est la même chose quand vous projetez quelqu'un. If you project somebody, same thing. Hein? Je finis mon mouvement ici. C'est la même chose que cet exercice-là. Right, so that's about the same thing. So you push with the back foot and you bring your body forward. But quand vous le faites, d'ici, bonne posture, les hanches basses, lower center, vous poussez, puis poussez vers l'avant avec les mains, à ramener. Allez, poussez, à ramener. Ici. Et ramenez bien, tournez les mains vers vous. Hein. Turn your hands, thumbs upward. Allez, notre exercice d'ici, tournez. Donc, c'est un peu comme Itoé Irininage. Si je suis ici, je me déplace avec la jambe droite, 45 degrés, 45 degrees, pivoter, pivot, puis tourner le centre, les mains, paume vers le haut, palm up, les coudes en bas, elbow down, puis les bras collés au corps, your arms close to your body. Et de l'autre côté, il y a de ça. Ici. Deuxième cue, premier exercice, première technique, pardon, c'est Anyandachi, Shomenuchi, Irininage. C'est là qu'on s'ennuie des tatamis, mais on va faire quand même ici. Anyandachi. D'ici, quand je le fais, je pourrais faire Irininage en utilisant Ikkyo Omote. Vous glissez
tourner. Mais normalement, normally, quand vous passez l'examen, vous faites le courant avancé ici. Moi, si vous êtes grand, vous pouvez aller chercher le coup. Si vous avez de la difficulté, if you have a hard time to lead your main, vous pouvez prendre la ceinture. Mais la ceinture, vous ne la prenez pas sur le ventre. Hein? You don't grab on the ear of the stomach parce que ça glisse. So you try to get this part, you know, where's the loss, where the bone is. So here, you can move in this way. Ici, ça risque de glisser. Donc, quand je le fais, j'amène ici la même chose que debout. Protégez-vous du coude avec la main. Descendez. Prenez sa hanche. Le niveau ça. Donc, allez tranquillement au sol. C'est comme debout. Hein? Je dois amener sa tête à mon épaule. C'est pas parce qu'il est là que je peux pas faire irréminager comme ça. You need to be close to him. Hein? Je l'amène près d'ici. De monter, projeter, puis ramener la main pour faire le contrôle au sol. Le contrôle au sol avec cette partie-là de la main, le talon de la main, with the heel of your hand, puis fermer les doigts. Donc, ben, deux raisons. C'est sûr que normalement, les gens ne vous mordront pas. Là. Normally, people won't bite you. But if you're like that, you can grab my fingers. Il peut prendre les doigts. Agarra-la, los dados. Puis il peut tourner pour aller en Sankyo. Puis il tourne ici, puis là il s'en va en Sankyo. Mais là ça ne marchera pas, parce que il va être ici. So from here, close the hand, and you go on the jaw. Vous allez sur la mâchoire ici, le coude bien en haut, puis vous descendez. Donc, Shomenuchi, entrée. Amener, tourner, hey. Contrôle, Iriminage. Normalement, c'est celui-là. Ensuite, on a Gakuhamni Katapitori Mikyo. Toujours en Ami Endachi. Quand vous le faites, l'attaque vient de côté. Hein? Vous attaquez, you attack from the side. Hey. Puis d'ici, si je m'en vais faire le. Don't too much, just hold that. Ici, si je le descends, j'amène Omote à mon épaule, mais si j'amène à l'épaule droite, if I bring him to the right shoulder, my right knee is back. I bring him to my center, je l'amène à mon centre, donc j'avance ensuite avec celui-là pour le frapper. Mais normalement, vous descendez ici, comme on a vu pour les autres, dans les autres grades. Ouais. Where we did the same, then I think it's a Yonkyu. Ce bras-là, this arm close to you. L'autre, je peux me placer comme ça. S'il est debout, des fois, il y a le coude en l'air, je vais le ramener ici, puis je le descends. Okay? Puis vous finissez, vous montez devant. Okay? So for Omote, you grab. See, it's inserted all tight. Je peux pas tirer comme ça. I cannot bring him this way. I need some kokyu. Hein? Like vous kokyu, puis d'ici, penchant le main, edge of the hand down, puis vous amenez. Quand vous faites Nikyo, comme ça ici, hold it. Je sais pas d'ôter la main. Je peux pas ôter la main de là. Je dois attaquer son pouce. Hein? Donc, je vais. Allez, comme this way. C'est comme sorry, c'est comme si j'allais ici le frapper avec ma main. Hein? De là, je viens le frapper ici. Fait que c'est la sensation, c'est pas de l'ôter là. Cette main-là doit aller vers l'avant. This hand must go forward. So you attack the thumb when you do that. Quand je fais ça, j'attaque son pouce. Here, comme ça. Puis là, ben, j'amène. Donc, j'amène l'épaule à sa main. Okay? I bring the shoulder to his hand, not his hand to my shoulder. Hold tight, parce que s'il est solide, je ne peux pas aller là. Je dois l'amener, puis ici, j'avance. Donc, pour monter, ici, pour Q, descendez la paume vers le bas, palm down, puis gardez la pression au coude, pressure on the elbow, push forward, et vous amenez.
on m'a fait to keep going this way. Four arms, ici, 10 pounds, puis vous coupez à 45 degrés. You cut like 45 degrees. When he's like this, just from there, je peux pas, oh, tight, je peux pas descendre là. Je vais descendre ici pour l'amener. Ensuite, j'amène de la même façon, sauf que j'ai l'autre genou en avant. Same thing, but you have the other knee in front, and this time you go for his center. Son centre, et à la fin, à la finale, puis le contrôle, toujours, tranchant de main, the edge of the hand, dans le coude, les deux coudes en bas, ramener, puis tourner vers sa tête. Okay? Ça, c'est courant. Urawaza. Les deux techniques, si vous avez de la difficulté à descendre votre partenaire ou s'il remonte trop vite, if you're like this, then you can also do it on your forehead. On your head like this. Quand vous le faites comme ça, vous croisez. Okay? When you do this one, vous croisez. Mon pouce est à la base de son pouce. Okay? My thumb at the base of his thumb, puis l'autre, je viens le placer dessus. The other one goes on it. So you cross the thumb, puis vous l'appuyez, la jointure ici de l'index, the knuckle from the index sur la tête, ici, puis là, vous saluez. Okay? Que ce soit omoté ou ouvrant, donc d'ici, amené, vous pouvez saisir puis vers sa tête, omoté ou ouvrant. Troisième technique, c'est Yokomenuchi. J'aime ça avec son téléphone. Yokomenuchi Kotegaishi. Hein? Que ce soit Kotegaishi, Shionage, n'importe quelle technique, quand lui, il attaque, je peux entrer ici comme ça, ou, this same side, je vais bouger. Hein? Mais jamais vous allez faire la technique comme ça ici. Right? Never you're going to stay like that on the spot and try to move in this way. Right? So normally you just pivot on the outside knee, then you cut down, right? Pour le haut moté. Like, quand il s'en vient, just from there, right? This side, watch out the lamp. Puis là, vous coupez. Donc, votre centre est toujours entre vos deux mains. Your center is always between your hands. Amenez-le bas, keep him low. Slide in, glisser, puis amenez-le vers la direction de ses doigts, in the way where his finger point. La main reste là, the hand stays there, puis vous pivotez. Okay? Moi, j'aime ça de faire avec le genou en l'air. Pas comme ça, on perd l'équilibre. When you're like this, I feel I lose control. I could cut him there, but I like to be able to push and use my body weight down, right? So, same side. D'ici, vous glissez, puis vous descendez. Okay? Pour le Ura, same way to start, mais là, vous allez pousser, mais pas juste pousser en bas, vous allez l'amener comme quand on fait cet exercice-là, haute-tête. Cet exercice-là ici, vous amenez vers l'avant, puis vous poussé vers le bas. So in this exercise, you cut down and you move it forward. Vous utilisez cette partie-là de la main. So this part of your hand, c'est vous, d'ici, reculez. Puis là, vous pouvez peser à partir du coude. You can push from the elbow, then push in like that. Mais gardez le bas, keep him low, pivot, then around again. Then you do the pin. Okay? Mais c'est important de, dans ça, it's important, as I said, not to go like this. Okay? C'est la main, là, même en bougeant, je ne le fais pas avec ça. Parce que quand je le fais, c'est un peu comme je joue et je viens frapper. Si je fais ça ici, je passe une étape. If you go this way, you lose one step. Okay? So always move and up, open. Ça, c'est les techniques à genoux. La prochaine, les autres sont debout, mais contents pour ça.
La première debout, Shomenichi Shihonage. Shomenichi Shihonage, vous pouvez le faire quand on dit ici, ouvrez. Hein? Donc, si je le fais dans ce style-là, if you use this style, that's what I learned from Kamei Sensei, you're going to go like under here, then you can go like this and open and punch. Okay? So you go, as he goes down, you go up, then in, then open. Okay? Quand vous le faites, c'est un peu ça l'idée. Il n'y a pas de omote, il n'y a pas de hura. Si vous faites juste comme ça, there's no omote or hura. Just this way, just pivot. Ouvrez. See? Shionage? Yeah, shionage. Vous entrez, puis descendez. Okay? Donc, quand je le fais, ici, tout ce que je vais faire, all I do is pivot. Like this. Ensuite, la jambe. Ouvrez. Okay. Ceux qui veulent essayer, if you want to try, la main, si lui m'attaque avec sa main droite, il va attaquer ici, je lève mon bras gauche à l'intérieur. Et ici, ce bras-là, je vais le protéger. Fait que lui s'en vient bien sur ma tête gauche, comme ma tête. Puis je vais monter, j'ouvre. Ensuite, la main, this hand, palm up. Je vais glisser jusqu'à sa main, puis j'ouvre. You can use the thumb if you want. Vous pouvez utiliser le pouce si vous voulez. Okay. Sinon, vous couvrez un peu comme le Nikyo qu'on a fait. Vous allez couvrir avec le pouce. Like the Nikyo we just did, you cover the first hand with the second hand with the thumb on thumb. Puis utilisez les trois premiers doigts, first three fingers, et l'épaule dans le coude. Okay? Si elle est solide, okay, vous entrez l'épaule dans le coude. Elbow, your shoulder in his elbow. Et descendez ici. Ensuite, vous tournez. You turn around this point. Puis là, vous finissez comme on a fait tantôt. Fait que vous finissez. Oh, même chose. Le samba, your center low, back foot point forward. Okay? Il y a d'autres styles. Other style would be, c'est comme prendre Shomenuchi et le transformer en Yokomenuchi. S'il vient Yokomenuchi, je peux faire ce mouvement-là ici. S'il vient Shomenuchi, je ne peux pas vraiment faire ça. Hein? Non, mais je peux le changer. Je vais croiser ici, puis de là, when I attack, I switch in like if it would be like for Yokomenuchi. Mais de là, dans ce style-là, in this style, you can go for omote or you could go for ura. Okay. Mais si vous venez de l'aïkido de la montagne, if you're from the aïkido de la montagne, you do the first, this one. You could take a test. I mean, if you take a test and you want to pass it, si vous voulez le passer, take it this one. Et n'oubliez pas, Shionage, quand je le fais, son coude pointe en l'air. His elbow point up. Elbows like this. He's as strong as me. I have two hands, but he can put the other one. La main autre, puis il peut tirer lui aussi. Donc, quand je fais le Shionage, quand j'ai fini, je vais tourner, I turn, puis lui doit être déséquilibré. I must have break his balance this way. Then after that, I can use more or less power, but try to have especially second cue. You need that's a already few cues that you need the good stance at the end. Okay? Ça, c'était pour Shionage. Ensuite, j'avais écrit, hein? Ah oui. Shomenichi Kaitanage. Omote ura et soto et soto et uchi. Quand vous entrez sur Shomenuchi, essayez de ne pas faire 1, 2, 3. Quand vous entrez, vous essayez de le faire en continuité. Try to continue when he comes. La main ici, je me protège. La deuxième main, je vais couper.
mais quand je coupe, when you cut down with this one, it's not down only. C'est vous amener vers vous. You bring him towards you, so you break his balance sideways. Hein? Un peu comme s'il tenait la main, catatétori. If he would go catatétori, I go like this. When he comes here, quand il arrive, je l'amène ici. La main tout de suite, hein? Right away. This hand protect, then cut, and vous l'amenez aussi vers votre centre. You also bring it to your center. Les pieds ensemble, feet together, son bras en extension, this arm extended, mine too. Puis vous poussez de côté pour déséquilibrer encore plus. So you push sideways. If he's like this and he's strong, it's harder for me than if I push right there. Si je le pousse là, il n'y a pas d'appui. C'est facile de le déséquilibrer. Okay? Donc, Soto Kaiten. Kaiten Nage. Ici, amener, puis pousser. Toujours la main finale que dans cet exercice-là. Soto Kaiten Urawaza. Soto Kaiten Urawaza. You slide. Puis là, vous allez faire un autre Irimi, un pan, puis vous poussez. Donc, on l'a fait sur Tsuki, l'autre jour. We did on Tsuki. I think that the third cue. So, you, same thing. Slide in, then push. So, for showman, you see. Here. And pan. Slide in. Pivot, then push. Don't forget that after. Okay. Après le premier. Quand vous êtes entré ici, pensez à ne pas. Il faut aller en arrière. You need to go back. Pensez pas à tourner ici. Hein? If you do that, you miss one step. Si vous faites ça, vous manquez un pas et vous êtes pris. Donc, d'ici, c'est important. Irimi, en arrière, puis je pousse. Hein? Donc, pour le hurrah, pour hurrah, ici, couper, puis aller en arrière de lui. Tentant. Irimi, demi-tentant, pousser. Okay. Donc, entrée, tentant, irimi, demi-tentant, pousser. Okay. All the way, you cut, here, tentant. Keep that in, keep him in front of you, never to the side like this. So you push him sideways, then you can go with your hips, cut and push him sideways like that. Ça, c'est Soto Kaiten. La prochaine fois, on va attacher le culotte un peu mieux. Uchi Kaiten. Uchi Kaiten, vous allez en dessous. Comme on a fait sur Tsuki et sur Ojo, sur troisième cue, vous allez en dessous. You go under. D'ici, je viens ici. Croiser au coude. Cross on the elbow. Puis là, pour le omote, moi j'aime garder, I like to keep this hand, the outside one, sur l'intérieur du coude en plaçant ma main comme ça. I put my fist like this, puis j'entre la jointure dans le creux de son coude. Okay? Fait que vous pouvez entrer là, puis vous descendez. Fait que ça me permet de descendre le coude. So this way, you can push the elbow down. If I just go with one hand, si je fais juste prendre avec une main comme ça, j'ai moins de, tu sais, à moins de si vous êtes très fort, là, c'est peut-être, mais de descendre là, c'est difficile. Donc, essayez d'utiliser les deux. Vous en avez deux, profitez-en. So you have two, the shield down, puis vous poussez. OK? Comme ça. Donc, il y a le sac de l'unité. D'ici. Ah non, là, c'est le courant. Le promoté d'ici. Okay. Oh. Tournez. Et poussez. Okay. Pour courant, ben, vous allez faire comme dans l'autre. Vous faites un ten-ten au lieu de juste ten-ten. Okay. So this time, you do a full ten-ten like we did for the Soto-Kaiten. Puis vous vous entrez ici. Coupez. Rejetez. So you enter, enter, then come, sideways, puis, push it. Okay? Vous ne le savez pas?
pas compris. Oui, OK. On ne le fera pas. Just remember this, hein? You cross like that. Hein? Vous croisez, puis vous êtes près de lui. Fait que vous êtes toujours droit. Essayez de ne pas rentrer là. Puis des fois, on a peur, puis on va trop de côté. You just enter like hein? Straight. Quand vous avez le contact, c'est comme il Iriminage, vous tournez like il Iriminage. Contact, you turn. Ici, Taïwan Nagé, même chose. Contact, you turn. OK? Jean-René, c'est correct si on ne fait pas les pas? Parce que. M'entends-tu, Jean-René? Jean-René? Oui, Sensei. Oui, là, si. On ne fait pas les pas, c'est-tu correct? Parce que j'en regarde, il n'y a pas grand monde avec des guides. Hein? Fait que, ou qui, je ne sais pas si les gens veulent faire les pas, moi, ça me fait rire. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, j'ai l'impression que, vu que tu donnes beaucoup d'infos, les gens, ils t'écoutent. Oui, OK. Fait que, continuez. Direct, au bien, merci. OK. Fait que là, on est à Yokomenuchi Gokyo. Yokomenuchi Gokyo, entrée. Hein? So, you enter, essayez de bien. Vous allez vers lui, cette main-là vers lui, l'autre main près du coude, vous ouvrez toujours la distance, always your distance. Okay, so you should be able to reach him, you should be able to reach him. Hein? Fait que vous entrez ici, Samba Gokyo, tout de suite vous allez prendre son poignet. L'idée de Gokyo, Yagia Gokyo, c'est lui un couteau, he has a knife. Okay? Fait que si je le prends ici, loin de son articulation, I grab him, far away from the articulation, c'est, ça bouge facilement. He can move very easily. Fait que l'idée, c'est sûr que je ne bloquerai pas au complet, mais en tenant le plus près possible, comme ça ici, là, en montant, je vais empêcher le plus possible la mobilité du poignet. Okay? So, I try to stop his wrist from moving as much as I can. For that, you need to grab high. If I grab too low, he can move like this. So here, grab it. Huh? So, anchor, contact, pomote, in front. Right? You go in front. So, this way. Then you step in like ikkyo. Okay? When you finish, oh, can you move back a little? On a lavé le plancher avant que tu bouges. C'est que de là, ma main à l'intérieur de mon genou. My hand inside my knee. L'autre main au coude. Puis là, je vais pousser vers lui. I push with my knee like this and I use my hand to bring him down like that. L'autre coude, mon coude, je vais aller le placer à côté de son omoplate. I can put my elbow close to his shoulder blade. Ce qui est important, c'est que son bras, il ne soit pas le poignet, si le coude est ici, elbow is here, le poignet doit être à l'intérieur. The wrist should be inside, not outside or just under. If it's just under, he won't feel much. If it's inside like this, then he feels more. Especially, you hurt this one? Mm-hmm. C'est celui-là, il est. Bon, s'il fait mal, c'est encore plus vite. Fait que vous le lavez, puis vous poussez. Puis si vous voulez, vous pouvez mettre votre poids dessus. D'ici. Ça c'était au moté. OK? Ça, le soir, Alexandre. So, you go in, grab. Oura, vous tournez. Faites la même chose. Ici, ramenez. Puis vous poussez. Ça, je peux aller appuyer mon coude si je veux, puis j'ai juste à pousser comme ça. Si vous arrivez ici, if you're like this, puis que vous vous partenez, et votre partenaire résiste, hein? S'il est comme ça ici, il résiste, vous poussez et vous ramenez le coude comme ça. OK? Donc, comme ça ici, ce que je fais, je crée une action-réaction. You create action, relax.
comme ça. OK? On y va this way. Fait que lui, quand il a le coude, si son coude est en extension, quand vous frappez, il va avoir tendance à relever. Hein? If it's full extension, you push, you will go like this, then it's time to do the go-kyo. OK? Le prochain. That's OK? Yes. Ça sera pas long. Le prochain, il va essayer de prendre les Ushiro Tekubitori Shironage, puis après ça, Kubijima. Donc, Ushiro Tekubitori Shironage. L'attaque Ushiro, comme toutes les semaines dans les autres grades, like in other ranks, when he comes, quand j'attaque, je ne peux pas attaquer comme ça, il va suivre. Vous savez, il follow me, comme ça. Je dois couper, puis là, je décide, I grab shoulder, shoulder, elbow, elbow. This time, the wrist. Toujours la paume collée, always palm close to him. La tête à l'intérieur des épaules et en bas de sa tête. Hein? Vous n'avez pas besoin d'être collé dessus, mais essayez de garder d'avoir la paume qui touche. So you need to have the palm, your head between his shoulders, under his head. Quand il vient ici, un pas arrière. Puis là, vous ouvrez pour Shiranage, un deuxième pas arrière, omote. Okay? No, that's okay. You come with the same side. Okay? Ici, puis là, vous ouvrez. J'attaque les pouces. Si j'attaque le stomp, comment? Ben, je baisse les coudes, puis j'ouvre ici. Okay? Ensuite, reculer. Je peux bouger un petit peu ici. You can move that foot. Reculer puis ouvrir. Then you open with the edge of your hand. Si lui tient comme ça, hold tight, c'est difficile pour moi de faire tourner son poignet, de venir saisir en prenant ça ici. So, I cannot go like this, mais j'ai le coude qui est ouvert, mais je vais entrer juste avec le pouce. Oh, go with the thumb in like this. Hein? C'est sûr que si je voulais, je pourrais rentrer dans le coude comme ça. You could go in the elbow, but in the test, you go more like this in the elbow, thumb up. Ça vous permet de venir saisir le poignet. Then you can grab the wrist. Puis là, vous descendez votre pouce, mais gardez le contact. Thumb down, now this one down. Keep contact and slide. Et là, vous avez votre shiranage. Okay, non, d'ici, just from there, but just small, because you have much space. D'ici, comme ça, ouvrez, deuxième pas, le pouce dans son coude, entrez, projetez. Pour le Ura, même départ, same step, same way to start. Descendez, maintenant je vais avancer. Reculer comme ça. Puis de là, tourner. Je fais Ura. OK? So you do Ura. Just small. The first one. OK? D'ici. Fait que là. We need more space. Fait que d'ici, ouvrez en premier. Open first. Un pas en avant, juste en avant de votre pied. Pas trop loin. Don't go too far. Ici. Puis là, Tenkan. Puis, tenkan encore. OK? So, step back. Open. Little step. Tenkan. Tenkan again. And throw. OK? L'autre mouvement. Koshinage. Ici, Kubijime. Hein? So, Kubijime. Kubijime, là, quand vous le faites, higher, hein? Encore. C'est ça. Vous allez chercher en haut ici et vous ouvrez. Lui, quand il me tient comme ça, je ramène ma main et je joue. Hein? Montez puis ouvrez. Je peux aller chercher ou dédommer, koshinage, comme ça. Ça veut dire qu'on va les faire doucement, mais d'ici, okay? Passez la main, celle-là. Pousse en bas, puis l'autre ramène son coude.
Ici, vous placez les hanches et vous passez par-dessus. Vous pouvez le faire aussi de cette façon-là, tout droit. Il y en a un juste dans vous. Ici, quand je finis, je peux le passer en allant comme ça. Ou je peux tourner, sortir les fesses, puis le projeter par là. Lui tombe toujours par là. He always falls this way, but me, I can be straight like this or like that. OK? Donc, ici, reculer, amener. Je peux par-dessus carrément, right this way or this way. OK? So you can throw this way. You can also go, if you want, you could grab him behind and go like this, right? So this one, you would just go elbow, push, and more over sheep. Then you could go like two bigger sheep. If you go like ikkyo, for instance, here, this one, I push like ikkyo, then I end up like this, tsurubegoshi. Les koshinage, en général, in general, for koshinage, les pieds sont entre ses pieds. Right? Donc, je ne ferai pas un mouvement comme ça ici, trop large. This should not be too wide, because you, if he falls, he may hurt your knee. So you need your knee to be no more wider than your shoulders. Okay? Fait que les épaules, les genoux ne doivent pas être plus larges que les épaules. Fait que si j'arrive ici, quand je le fais, je me place là. Et quand vous le faites, lui, si je fais juste descendre puis remonter, he's strong there. Hein? Là, il va être solide. Donc, quand je le fais, il faut que je le déséquilibre. Je l'amène sur le bout des pieds. I bring him on the tip of his feet. Hein? Toujours. J'arrive ici, je l'amène sur le bout de ses pieds. Dans les autres, même chose ici. Là, je l'amène juste avec mon poids vers l'avant. Je l'amène sur le bout des pieds. Celui-là, même chose, je l'amène sur le bout des pieds. Et je vais le chercher. Vous pouvez aussi être un petit peu plus fancy. You can be a little more fancy if you want. Then you would go like, maybe get like Sankyo, then enter like, then this one would be like Shihoboshi, get in front of him, then throw. Hein? On l'a fait de ce bord. Oh, OK. Non, il y a le sein. OK. Donc, ici, je pourrais, par exemple, aller chercher Sankyo, puis là, changer pour Shionage, entrer, puis projeter. En koshinage, comme un shihogoshi. Vous pourriez, à ce moment-là aussi, si vous êtes comme ça, rentrer juste ici, puis aller le chercher là, pour un autre genre de koshinage. Vous pourriez aussi, you could go from this, and if you go like from Sankyo, then you open, then you could go like here, then move like this, Tsurubegoshi, or from Sankyo, always the same opening. You go from here, you bring him, then you go like Ukeshigoshi. Les koshinage peuvent s'enchaîner, c'est juste de trouver l'ouverture. You just have to get the opening, and if you're testing, essayez, you try to mix have a variety of opening. Hein? C'est toujours mieux que toujours faire la même ouverture. Fait qu'essayer d'avoir des variantes d'ouverture pour aller chercher des koshinage comme ça, avec lesquels vous allez vous sentir à l'aise. Ouais. Ensuite, on doit acheter. Ah, je pense que c'est Morotetori Mikyo. Et je pense bien. Ah non, Jujinage. Ushiro Tekubitori Jujinage. Ushiro Tekubitori Jujinage. Ici. Quand vous faites Jujinage, à la fin, when you end up,
Okay? Vous avez votre bras en extension. My arm is extended, comme ça. Okay? Vous ne faites jamais jichinage de cette façon-là. If you go like this, then you use your arms only. D'ici, puis donc, ici, puis là, vous poussez. Comment se rendre jusque-là? Ici, quand je suis ici, la main, celle-là, c'est quand même assez facile. This hand, I just keep my palm up, puis je vais venir saisir ici. C'est celle-là qui va être là. Okay? So, ça, c'est pas trop difficile. This one is not too hard. Okay? Just grab this way. Mais l'autre, pour aller chercher l'autre, to grab the other one, if he's still old, hold it. C'est difficile de venir le chercher puis de le séparer. Là. So, what I'd like to do is to go around the wrist, tourner autour du poignet. Puis quand ça va lâcher, when he will release, you face you face backward. Vous tournez. Puis là, vous venez saisir le pouce. You grab the thumb. Okay? So, I grab his thumb. So, when I thumb, yeah, not thumb, his thumb. Quand je tiens le pouce ici, je peux faire tourner sa main. Ça va faire tourner le coude, puis ça va exposer le coude. This way, I will have an exposure on the elbow. Mais si je viens le chercher ici, c'est difficile de tourner, puis d'avoir une bonne prise. En contrôlant le pouce, when you control the thumb, then with the other hand, vous placez coude à coude. You just go elbow to elbow, inside of one elbow, on the tip of the other elbow. Et quand vous le faites, des fois on a peur de leukémie. Hein? Sometimes we're afraid to take leukémie for that. Fait que là, vous tournez, vous essayez de tourner. You try to move like this. Elbow is up. Mais ça, vous êtes, c'est l'épaule qui va tout prendre. That's your shoulder that's going to have a hard time. Quand vous faites du jinage, essayez de pratiquer avec quelqu'un qui est civilisé. So you try to practice with civilized people, so they, you know, you don't go against the joint too hard. Mais l'important, c'est d'ici, ouvrez le pouce en l'air, palm up, reculez, la main fait le tour, poussez, puis là, demi-tenkan, half-tenkan, la main qui est là, vous l'amenez. As you do your half-ten count, you pull this one, puis vous montez l'autre ici. Right? Parce que lui, il ne faut pas que le coude, il ne faut pas qu'il ait ses deux, qu'il ait son poids sur les talons. I don't want him with his weight on his heel, because he will be too strong. So I try to pull him this way. Je l'amène ici, puis là, je peux avancer tout droit. Okay? Le dernier, Nikyo. Morotetori Nikyo, il me semble que c'est le dernier. Fait que moi, c'est pas ma suite. Morotetori Nikyo. Quand vous le faites, dans un examen de deuxième Q, ce qu'on veut voir, c'est que vous êtes capable de le faire sur cette main-là et sur celle-là. You should show, like we did for Irinage, I think, third Q, that you can do it on this hand and on this hand. Celui-là, c'est comme Ayami Katapetori. Fait que vous pouvez faire le Omote. Encore là, omote, ma main, mon pied, right hand, left, right foot forward. Okay? Puis, je ramène à mon centre. You go for your center, puis vous continuez. Oura, quand on est comme I am me, change foot, je peux avancer comme ça. I can step this way, I am me. But when he grabs morotetori, comme ça, si j'avance là, lui, il va me frapper. He can hit me this way. So, ce que vous devriez faire, à mon avis, en tout cas, c'est de le faire avancer. You have to make him move forward. So, you step like this. Hein? So, you do like 10 times. Then, from there, you go for his center. Vous allez vers son centre. Puis, vous finissez en courant. L'autre version, c'est comme si il attrapait Gakuhami. Gakuhami, Katatetori, comme on a fait à genoux tantôt, like we did Amniandachi, vous allez l'amener de côté, puis Omote, this way, puis Ura, tourner,
couper, puis avancer avec ce genou-là en avant. With this knee forward, you go for your center. Remonté, you go to your center, then you can kick him. Là, maintenant, quand vous le faites en morotetori, when you do it morotetori, I need to move him. Hein? So, coq, elbow up, elbow in. Le coude dans l'air, le coude à l'intérieur. Promoté vers mon centre. Allez, même chose. Oura, j'entre ici, tournez, puis you go for his center. Quand je le fais pour le promoté, coucou, tournez, promoté. Allez, puis oura, même coucou ici, puis tournez. Avec ça, je pense qu'on a pas mal fini le deuxième cue. I think we did everything on that. Et on arrive à 26, parce que là, c'est ça. Si jamais, s'il y en a qui ont des questions, je n'ai jamais demandé, là, mais si vous avez des questions, vous pouvez les poser, j'imagine. If you have any questions, you can ask. Still a few minutes, but I never thought about that. So, anybody has questions? There's still somebody there? It's not on est là. Oui, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Any questions? Or on la semaine passée, Bouywar avait une question. Je ne sais pas si elle veut la poser. I don't know if she wants to ask it. Vous pouvez les écrire aussi, puis on y répondra dans deux semaines. Vous pouvez les envoyer à l'adresse email du dojo ou par Facebook. So you can send them as Jean-René said. If you have questions, you can ask now or you can send it to Aikido de la Montagne, information or email. Info mm-hmm. yeah. de la Montagne.com. So. Mm-hmm. Ouais. Okay. So that's it. La semaine prochaine, on va faire le premier Q. Next week is first Q. First Q and Shodan. First Q and Shodan, it's the same test. But for us, at least, that's what I do. Puis, on ne peut pas faire plein de techniques parce que c'est libre. Hein? It's a free technique on different attacks. Mais qu'est-ce qu'on va voir? Ça va être différentes entrées et différentes façons d'entrer, puis avec peut-être un certain éventail de techniques. So we'll see the different way to enter, you know. So parce que quand vous passez, comme je l'ai dit tantôt, surtout les premiers cues là, ben c'est important de varier les entrées. It's important that you have a variety of entrance, and autant que les techniques, ça fait que l'examen. Tu sais, si vous frappez quelqu'un, vous pouvez le frapper 10 fois de la même façon, mais quand vous passez un test, c'est important de montrer que vous avez des connaissances autres qu'une technique. So when you do, you know, if you hit somebody, you can hit him 10 times if you want, but when you take a test, try to make sure that you can have a variety and, you know, that you study a little what you're doing. OK? C'est-tu beau? J'ai une question, mais pour la prochaine classe, est-ce qu'on peut envoyer une technique de Shodan au premier Q qu'on aimerait, pour laquelle on a des questions, on aimerait voir en avant de la classe? Oui, c'est une bonne idée. Comme ça, si je ne la connais pas, j'irai la chercher. Non, parce qu'il y a des techniques qu'on a envie de voir, mais surtout que Shodan, c'est libre. Donc, oui. The question was if you have the... If you're going for, first cue or Shodan, and you have a question on one technique, can you ask for it in advance? So the answer is yes. If there's something that you want to see, there's no problem. If I can help you, I'll be happy. So that's it. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Any other questions? C'est bon? C'est bon. Merci, Sensei. Merci, Sensei. Merci.